Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing avec la boutique Gutfeld. Donc vous allez voir du DP et vous allez voir de la broderie. Voilà. Alors on va commencer d'abord. Je vais vous montrer la broderie. D'abord. Alors en broderie, j'ai 1, 2, 3. 4 kits, c'est des Joy Sunday, mais ce sont des petits. Voilà, vous devez déjà connaître ces broderies. Il y en a une par mois. Voilà, ça peut être déjà vous dire ce que c'est. C'est des broderies qui font 17 cm sur 17 cm, c'est-à-dire la toile, hein, la toile complète. On va vérifier après en mesurant. Et ce sont des fleurs, voilà, les fleurs du mois. Donc là, j'ai pris le mois de janvier, de mars, d'avril et le mois d'août. Alors, vous allez me dire, ouais, tout le monde les a. Oui, c'est vrai. Beaucoup les font. Donc, je ne les ai pas pris pour copier. Hein, je les ai pris parce que j'aime bien, tout simplement. Après, bon, quand je les aurai fait, bon, c'est pas demain encore la veille hein, que j'aurai tout fait, mais quand je les ferai, après, je verrai pour le montage qu'est-ce que je ferai. Voilà, on n'y est pas encore. On en reparlera dans les mois à venir. Alors, ça c'est auguste, avril, janvier, mars, voilà. Alors, en janvier... Qu'est-ce qu'on a comme jolie fleur? Eh bien, en janvier, on a des œillets. Voilà. Des œillets roses. Là, je ne vais pas vous les montrer face bureau. Hein, c'est petit. Je vais pouvoir vous les montrer là, comme ça. Hop. Oui, c'est tout petit. Alors, la toile, elle fait 12. Voilà. C'est 12 cm sur 12 le dessin. Alors, je vous montre tout de suite la toile. Voilà, voilà la toile. Donc 12 cm sur 12 cm. Voilà, donc c'est des choses qui vont aller assez vite à broder. Hein. Il n'y a pas de gros problème. Hein. Voilà. Même niveau confetti, bah là, j'en vois pas. C'est pas du confetti, hein, mais il y a du changement de couleur, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà. Alors, pour celle-ci, on a 10 couleurs. Voilà. Et est-ce qu'il y a... Je pense qu'il n'y a que de la croix à faire. Oui. Il n'y a que de la croix. Voici... Excusez-moi, j'ai soif tellement qu'il fait chaud. Voilà le patron. Donc lui, très clair. Hein, pas de soucis particuliers. Ici en bas, les symboles avec les références DMC. Donc je rappelle que les symboles qui sont ici correspondent au patron papier. À ça, hein. Les références DMC, toile, ou ça, c'est pareil, bien sûr. Mais les symboles qu'il y a ici au milieu ne correspondent qu'à la feuille papier. Hop. Et les couleurs. Bon, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de fils, là. Hein. Voilà les couleurs. Alors, attendez. Est-ce que si je baisse, vous verrez peut-être mieux. Donc du rose, il y a deux sortes de verre d'eau. Il y a encore trois roses là, un peu plus rouge ici. Celui-là est plus, c'est un rouge là, plus un blanc et encore deux verts et un petit marron. Voilà, avec les deux aiguilles, il y en a deux, ouais, avec les deux aiguilles dans le petit sachet, comme toujours chez Joy Sunday. Voilà. Si je faisais ça, vous... Ah ben voilà, on voit mieux. Voilà les couleurs.
Donc voilà pour le premier kit. Je remets tout de suite dans la pochette hein, pour pas me mélanger les pinceaux. Alors comme je disais, ouais, j'ai voulu les prendre. Bon, un petit, j'en attends d'autres, d'autres mois. Et il va m'en manquer, mais bon, un petit peu à la fois. Rentre. Ensuite, on a le mois de mars. Alors, le mois de mars, les jonquilles. Voilà, j'adore ces fleurs. J'ai oublié de vous montrer, bien sûr, mais bon, maintenant vous commencez à le savoir, peut-être sauf pour les nouvelles. Derrière les sachets, en plus c'est des sachets zippés chez Liosandé, c'est superbe. Vous avez toutes les explications utiles et nécessaires ici derrière, écrites en anglais malheureusement, mais elles sont très faciles de compréhension. Là, on vous montre comment, là déjà, comment enfiler votre votre aiguille, en vous disant que le 11CT c'est 3 fils et le 14CT c'est 2 fils. Ensuite, on vous explique en dessin ici comment vous repérer pour savoir quelle couleur choisir dans les motifs. Voilà. Et ici, c'est pareil. Là, donc, il vous l'explique, mais avec le patron papier. Ici en bas, on vous montre comment démarrer votre broderie. Bon, là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec cette broderie-là, parce que là, on voit que c'est du point compté, puisque la toile est blanche, donc ça n'a rien à voir. C'est surtout pour le point compté, hein, ces explications-là. Et ensuite, on vous explique le lavage de la toile. Alors, moi, j'ai fait une vidéo, là, il y a 2-3 jours. Reportez-vous à cette vidéo. C'est marqué « Lavage, repassage et encadrement d'une broderie ». Vous aurez toutes les explications en images. Ce sera beaucoup plus clair que ici, que c'est en anglais. Voilà. Vous faites tremper votre toile pendant une heure ou deux, ou plus, un petit peu plus, si c'est vraiment une très, très grande toile. Voilà, mais bon, comme ça, par exemple, une heure et demie, c'est bon. Hein, vous avez fait votre toile. Nettoyez votre toile. Alors, ici, ah, on va avoir du point arrière, du backstitch. Alors, moi, il y a un truc que je n'aime pas faire. Je suis peut-être, comment on dit ? Ah, je ne retrouve plus le mot. Je suis française et je parle français. Voilà. Chauvine. Voilà. Le full stitch, ce sont les petites croix. Donc, on va dire petite croix. Et le back stitch, c'est le point arrière. Donc, moi, je dis le point arrière. Je ne parle pas avec les mots anglais qu'il y a sur la feuille. Parce que ça, pour celles qui n'y connaissent rien, qui sont en train de me regarder, par exemple, c'est beaucoup plus compréhensif que je le dis en français qu'en anglais. Voilà. Donc, le full stitch, je ne dirai jamais ce mot-là, c'est les petites croix. Et le back stitch, idem, c'est le point arrière. Voilà. Donc, ici, sur notre broderie, nous avons des petites croix et du point arrière. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, hein, mais on est en France, on parle français, point barre, voilà. Non, mais maintenant, beaucoup de choses sont en anglais et c'est un peu énervant. Même les pubs à la télé, on a des fois des pubs en anglais. C'est bon, tout le monde ne parle pas anglais. Hein. Bon, ça y est, j'ai fait mon petit coup de gueule. Donc voilà, le patron papier. Avec les références ici en bas, les références DMC et les symboles. Là, le point arrière, vous voyez, ce sera ce qui est en rouge ici. Voilà, autour des feuilles, des fleurs. Il n'y a pas... Ah bah si, toute la fleur, il y a du point arrière. Bon. Il y a du point arrière en 3 couleurs. Ok.
Pourquoi ils ont fait une flèche là comme ça, en plein milieu? Je ne sais pas. Ah non, c'est pas une flèche, c'est les pistils. Regardez ici. J'ai dit, mince, pourquoi ils m'ont fait une flèche comme ça en plein milieu? Mais non, c'est les pistils. Comme là, il y a trois traits bleus, c'est des pistils, donc des points arrière. La toile, donc 12-12 aussi, hein, je suppose, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Donc la voici. Donc elle va aller très vite à faire. Hein. Pas du tout de confetti, pas un pet de confetti. Le point arrière, alors on ne voit que le point arrière extérieur, hein, et pas partout. Mais bon, de toute façon, pour faire votre point arrière, vous vous reportez à la feuille patron. Il n'y a pas de complications. Voilà. J'ai oublié de dire, ils sont surfilés. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, il y a le petit fil qui dépasse là. Donc, les quatre toiles sont surfilées. Alors, je vais reprendre ma petite feuille. C'est plus simple pour vous les montrer. Et voilà les couleurs, donc du jaune hein, bien sûr, des jaunes, du vert, du blanc, un peu de marron, un peu de orangé, voilà. Et on a toujours nos deux aiguilles accrochées au trifil. Donc voilà pour la deuxième toile. Ensuite, on a le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, ce sont des... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi ça représente, là, la fleur. Franchement, on dirait des pensées. C'est peut-être des pensées. Ouh, les jolies couleurs. Bon, je ne vous remonte plus la pochette, hein, c'est toujours la même. Donc, voilà. Pour le mois de avril, donc on dirait des pensées, je pense. Alors, tout en rose. Voilà la grille papier. Alors, s'il y en a qui l'ont fait celle-là, bah, dites-moi à quoi ça vous fait penser ces fleurs-là. Moi, je vous dis, je crois que c'est des pensées, mais bon, je me trompe peut-être. Voilà, donc toujours pareil, hein, vous avez toujours les références, et c'est toujours bien imprimé. La toile, toujours surfilée, toujours en 12-12 cm, et toujours les références ici en bas. Ici, on n'a pas de point arrière, ce ne sera que de la petite croix. Il y a un fil là qui m'embête. Et donc voilà la grille. Pas de confetti. Hein. Moi, j'appelle pas ça du confetti. C'est normal. Voilà. Pareil, ça va aller assez vite à faire. Ce que je vais faire, j'essaierai d'en faire peut-être une par mois. Pourquoi ? Ce sera déjà bien. Et les fils. Un joli rose. Voilà. Du plus clair au plus foncé. Ici, un marron clair. Et on termine par les verts, pareil, du plus clair au plus foncé. Voilà. Vraiment de très jolies couleurs. La dernière. Alors, ça, je sais le nom, mais je ne me rappelle plus. Glaïeul. Je crois que c'est un glaïeul. Donc, c'est celui du mois d'août. Il y a
avec des jolies couleurs pétantes. Alors voilà, vous voyez, oui, c'est un glaïeul ça. Avec les deux bébêtes là, les deux petites abeilles. Donc c'est toujours du 12-12 à broder, c'est du 17-17 en complet. C'est toujours du 14-CT et ça va toujours se broder en deux fils. Et donc voici le patron. Et ici, alors par contre, vous allez avoir des petites croix en français, du point arrière. Et vous allez avoir du quart de croix. Voilà. Vraiment, alors le quart de croix, où est-ce qu'ils mettent là? Et les quarts de croix, ah, sont dans les ailes des petites abeilles. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Ça floute. Ah, il veut pas. Bon, bah tant pis. C'est entre les bleus là et les traits rouges. Voilà. Il y a quelques quarts de croix. Alors, un quart de croix. Vous avez votre croix comme ça. Ça va être le tout petit côté là. Vous allez piquer votre croix là sur le coin, à droite ou à gauche. Ça dépend comment il faudra la mettre, dans quel sens. Et au lieu d'aller piquer de l'autre côté, non, vous allez piquer au milieu. C'est comme si vous piquiez au milieu de votre croix. Voilà. Et donc, vous ne ferez qu'un tout petit trait. Comment je peux vous montrer? Attendez, je prends un petit bout de papier. Hop. Alors. Bon, désolé hein, pour le dessin. Voilà, ça c'est votre croix, d'accord, on imagine. Alors un quart de croix, c'est ça ici, voilà, c'est juste le trait qui est là, c'est une branche de votre croix, ça c'est un quart de croix. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris. Mais j'ai la vidéo là, je suis en train de la préparer pour vous montrer toutes les croix, les nœuds, les demi-croix, les tout ça, donc vous le verrez. Mais déjà là, bon, j'ai essayé de vous le dire comme j'ai pu. Alors voici notre toile avec nos deux petites abeilles là. Alors les points arrière ne sont pas dessinés hein, sur la toile, donc vous vous reportez à votre patron pour faire les points arrière. Mais les points arrière, il y en a que sur les abeilles. Donc même les quarts de croix, il y en a que sur les abeilles. Si vous trouvez ça si vous êtes débutant, vous trouvez ça trop compliqué pour les abeilles, ben vous ne les faites pas. Ne faites pas les abeilles et puis faites que la fleur. Et de toute façon, quand vous allez laver votre toile, les abeilles vont disparaître. Voilà, si vraiment vous êtes grande débutante et que vous pensez ne pas arriver à faire ces quarts de croix et ces points arrière pour ces petites abeilles, ne les faites pas. Voilà, faites la fleur. Et voilà. Et les couleurs, donc ça c'est notre dernière grille. Hein. Voilà, donc les couleurs. Des rouges orangés, un jaune pâle, un noir, une palette de vert, un blanc, encore un orangé là, orangé rouge, et un marron clair tout au bout. Voilà. Et on a toujours nos deux aiguilles dans le petit sachet. Donc voilà pour les broderies. Après, ensuite, alors en diamond painting, j'ai pris un petit accessoire à faire un DIY plutôt.
Alors, on va essayer de rien perdre. Alors, j'ai pris un petit dia... Ah, il y a des petits yeux. Alors, on a le petit toolkit dedans, avec des petits sachets supplémentaires et la petite carré de glu. Et donc, c'est un porte-clés. Alors, j'ai deux chaînettes. Ah, ils en ont mis deux. C'est bien. Alors, j'ai deux chaînettes plus la boucle. Voyez. Et voilà. Alors, il se fait... Ah, mais il se fait recto-verso. Voilà. C'est un petit... comment on les appelle? C'est des petits animaux, là, d'Australie. Quand il y a eu le grand feu, là, il y en a beaucoup qui ont péri. En plus, maintenant, on dit qu'ils sont, sont en train de disparaître, ces pauvres bêtes. Oh, je vous remets le nom, j'ai oublié. Donc, voilà. Alors, on va le faire en recto-verso. Vous voyez? On a les petits yeux pour coller dessus, là, pour mettre à la place des ronds blancs. Alors, est-ce que c'est des yeux qui bougent? Oui, c'est des yeux qui bougent. Je vous fais écouter le bruit. Voilà, les yeux bougent. Et on a les strass. Alors, on a quatre couleurs. Ici, des transparents, couleur diamant. Là, des noirs. Des bleus. Et un bleu plus clair. Voilà. Donc, c'est le genre de petit truc qui va aller vite à faire. Le soir, devant la télé, hop. On va bientôt remettre dedans pour rien perdre. Alors, ah, ce que j'ai oublié de vous dire, les toiles de broderie, tout à l'heure, elles sont à 2,99€ chacune, j'ai oublié de vous le dire. Et ce petit porte-clés, ici, il est à 1,99€. Voilà. Et il me reste à vous montrer le DP. Que Chouchou a choisi, et oui, mais je vais me mettre face bureau pour vous le montrer, ce sera beaucoup mieux. Voilà pour le DP. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Voilà un joli lion blanc. Voilà. On va alors, c'est un 30-40. Ah, je fais des bêtises. C'est un 30-40 en perles rondes. Bon, j'arrive pas. Il fait beaucoup trop chaud. Hop. Et il y a 20 couleurs. Voilà. Voilà, ça ira peut-être un peu mieux, oui. Mais de toute façon, je vous remets l'image. Hein. Ah, bah voilà, comme ça, vous voyez bien. Je vous remettrai l'image. Alors, on a le petit toolkit hein, qui, comme d'habitude. Alors ici, on a les perles, mais en chapelet. Alors, perles en chapelet. Attendez, il y a un sachet de craqué. Ouh. Attendez, je reviens. Voilà, c'est réparé. Ah, j'ai encore une qui se promène. Alors, c'est les perles noires. Je crois que ce sont les noires. Oui, ce sont les noires. Qui, ben, le sachet a un petit peu craqué. Donc, bon. Rien de grave, hein, j'ai récupéré toutes les perles, j'en récupère encore. Puis de toute façon, du noir, on en a toujours.
Voilà, bon, ça arrive, hein, c'est pas, il n'y a pas... Donc voilà, je les ai mis dans un petit sachet comme ça. Allez, je vous montre les couleurs. Joli bleu. C'est pas le vrai blanc, hein. Et voilà. Plus le paquet noir que je vous ai montré, que je viens de vous montrer. Donc voilà, de jolies couleurs. Ça va, il va être très beau. Donc celui-là, comme je vous ai dit, c'est Chouchou qui va le faire. Hop, ça y est, je fais du bruit. Allez, hop, hop, hop. Parce que j'ai peur qu'il y ait un autre sachet qui craque, on ne sait jamais. Voilà, je prends les petits sachets craqués dedans. Voilà, tout le monde est à l'abri. Excusez-moi pour le bruit. Oui, je pense qu'il va être très beau. Alors, on va regarder l'impression de la toile. Non, ne floute pas. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment nickel. Côté colle, on colle. Voilà. Je vous remontre comme ça. Vous voyez, il va être super beau celui-là. Comme d'habitude, alors vous retrouvez. Alors là, par contre, vous retrouvez la légende que en haut à gauche. On vous remet la petite image. Vous voyez. La taille, la référence et des petites explications pour savoir comment il faut faire. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc tout ceci venait de la boutique Gutfeld, que je remercie beaucoup pour leur confiance et leur générosité à chaque fois hein, que l'on fait un partenariat ensemble. Nous maintenant on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais à tous des gros bisous, à bientôt.